been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking all the time. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je pense que vous l'avez déjà entendu, je suis malade. Voilà, donc je m'excuse pour les s'il y a des petits reniflages, des petites toux, des petits éternuements. Je vais essayer de couper au mieux, hein, mais bon, voilà. On dit merci Liam, enfin merci l'école surtout. Voilà. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour mes colos terminés du mois de septembre. Là, actuellement, nous sommes le... Je ne sais plus... On est le 28, voilà. Donc j'en ai un... Non, j'ai deux en cours, voire trois. Mais il y en a un que j'ai pas touché depuis... Enfin, je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Mais je pense pas que les en cours que j'ai actuellement soient finis avant la fin du mois. Je ne pense pas, mais pas du tout. Donc, je les ai pas comptés. Mais bon, après, c'est pas une histoire de chiffres, hein. Mais moi j'aime bien avancer mes... Merci. Allez. Ah bah oui. Merci AliExpress. Merci pour ce moment. Hop, coupe la chic. Voilà. Donc, c'est pas une histoire de chiffres, mais je préfère en faire quand même beaucoup. Avancer mes livres pendant que je le peux. Que d'ici peu, voilà, je vais devoir reprendre le travail et là je vais être frustrée à mort parce que je pourrai plus colo autant que je colo actuellement et ça va me frustrer à mort, sachant que ouais, je pourrai plus que colo le soir quand je rentre, et encore faut pas que je rentre trop tard, enfin je sais pas trop comment, voilà, je sais pas comment, c'est le flou, je sais toujours pas ce que je vais faire, donc alors, on va attaquer tout de suite. On va attaquer par le Kirby. Donc, dans le Fragile World. Donc, c'est l'édition polonaise. Le papier est très bon. Et il n'est pas cher du tout. J'essaierai de vous mettre un lien, les liens des livres en barre d'infos. Alors, j'ai fait celui-ci, donc La Tortue, pour le colo commun de Julie Nueva. Il fallait faire un fond marin, mais en se challengeant, donc on avait le droit de faire du Kirby, et, enfin voilà, des illustrateurs qui sont assez complexes quand même. Et donc, moi Kirby, c'est la vie, hein, donc j'aime bien toujours en faire un ou deux par mois, donc là je suis contente. On a décidé de faire celui-ci avec ma sœurette, parce que moi, comme d'habitude, on essaye de les faire en commun. Désolée pour le reniflage. Donc voilà, j'ai fait celle-ci. J'ai utilisé pour le fond les Prismacolor. Je vais prendre mon porte-bête parce que... Puis je l'ai fait il y a un moment celui-ci. Donc alors, j'ai terminé le 7 janvier celui-là. Le 7 janvier, oh là là, j'ai mal à mes cheveux. Le 7 septembre. Alors, oui, donc le fond au Prismacolor, et pour les petits trucs blancs, là, c'est le Faber-Castell Peat Brush. Les coraux aux avec les aquamarqueurs aquarellés et Brut Funer aquarellables. Ça a légèrement traversé, parce que je mets trop d'eau quand j'aquarelle mes aquamarqueurs. Voilà. Sinon... pas mal de stylos gel hybrides d'AliExpress, hein. Vraiment je les adore. J'aime trop les utiliser ceux-ci. Il y a juste mes deux petits poissons là, que je trouve pas top. Je sais pas trop ce que j'ai voulu faire, mais je sais pas. Mais sinon, j'aime beaucoup ce colo. Et c'était mon premier fond marin. Donc voilà pour celui-ci. Et la tortue, c'est pareil, j'ai pas noté avec quoi je l'ai fait, mais je pense que c'est les prismas. Hein. Je les utilise quand même pas mal maintenant. Donc voilà pour celle-ci.
Ensuite, encore du Kirby. Il va falloir que je le couvre celui-ci, mais c'est vraiment l'édition plume. Je vous les déconseille, mais fortement, celui-ci s'est déchiré là. C'est en train de partir en lambeaux. C'est vraiment de la... C'est celui-là que j'ai scotché, je sais plus. Non, c'est peut-être le Mythomorphia, mais c'est pareil, c'est du plume. Mais non, mais c'est vraiment une qualité de, hein, de caca. Hein. Donc, ce mois-ci, j'ai fait l'astronaute pour le collant commun de Lady sur Twitch. Je sais plus si je vous l'avais montré le mois dernier ou pas. J'ai un doute pour celui-ci, en fait. Parce que celui-ci, on avait 2 mois pour le faire. J'ai un doute. Savoir si je vous l'ai montré ou pas. Mais je pense que je ne vous l'ai pas montré. Parce que là, les présentations des colos, on l'a fait... ça va être mercredi, je ne sais plus. Est-ce que je voulais montrer? Non, je ne voulais pas montrer. Non, c'est bon. Donc, j'ai fait l'astronaute avec le fond au Prismacolor. Et je me suis inspirée du tuto de Marine Art pour le fond nébuleuse. Mais bon, moi, j'avais pas les polis en question. Je me suis inspirée d'une image sur Pixabay, d'Anasta aussi, de Victoria04S, je crois que c'est ça. Je vous remettrai si je le retrouve en barre d'infos. Je me suis servi des aquamarqueurs pour les planètes. Là, ça n'a pas traversé. J'ai pris du washi aussi, un petit peu de washi. Je pense que vous voyez là où ça brille, que ça change de couleur, c'est du washi. Sinon, le reste, c'est du Prismacolor. Et pour le blanc, là, j'ai utilisé le... J'ai pas mal utilisé le Faber-Castell, mais aussi soit du Posca. Enfin, j'alterne entre tous parce qu'à chaque fois, il y en a un qui veut pas marcher. Enfin, c'est vraiment relou. J'ai toujours pas trouvé le blanc qui marche bien tout le temps, en fait. Donc voilà pour l'astronaute dans le World Within the World. Et ça faisait un moment que je voulais le faire, celui-ci. Et... je suis ravie. Ah, je l'aime beaucoup. C'est une tanasse à mettre, hein, à découper, vu que c'est pas, on voit pas à travers, alors savoir exactement comment le couper, c'est, ouf, ça a été, j'ai mis un bon petit moment avant d'y arriver, hein, mais j'adore le résultat. Donc voilà pour celui-ci. Hop. Ensuite, j'ai fait aussi... j'avais oublié de vous montrer celui-ci le mois dernier, il me semble. Et j'ai oublié de le plastifier. Dans le bloc mini-portrait, j'essaye toujours d'en faire un par mois. Je l'ai fait via un groupe Facebook Disney. Par contre, avec quoi je l'ai fait celui-ci? Je sais même pas si j'ai noté. Je pense pas. Ah, et j'ai oublié de vous en sortir un de colo. Je suis en train de me dire. Mais je pense que c'est Prisma. J'ai rajouté un petit peu avec un. Le blanc Uniball. Et le fond, bah, aquamarqueur, aquarellé. Il faut que je le plastifie celui-ci. Et les. Pareil, toujours du hybride ou ceux d'action. Les derniers qu'ils avaient sortis avec le lion. Je crois que c'était un lion sur le packaging. Voilà. Pour celui-ci. Et j'ai fait aussi celui-là. Bah, je l'ai déjà plastifié. Donc, mais bon. Encore du stylo gel hybride d'AliExpress. Les personnages bah, au Prisma. Et là j'ai utilisé les je sais pas où ça je les ai mis.
Ils sont là. J'ai utilisé ces crayons-là, là, les mix color marqueurs d'action. Pour faire ma fleur, voilà. Ensuite, je l'ai déjà plastifié, tout ça. Donc voilà. Pour ce marque-page, je vais vous sortir. Il me semble que je ne voulais pas montrer mon Color & Chic. Bah, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Il vient du... Je ne sais plus quel livre, le Color & Chic, c'est le 2, je crois. J'ai mis de la PBO or antique pour le cadre. Les cheveux, c'est du polychromos. Je sais pas si je l'ai pas fait tout au polychromos. Ben non, pas la peau, ça c'est sûr. Fond pastel sec Mungyo. Les étoiles, c'est encore du stylo gel hybride d'AliExpress. On adore. Hop là. Là, les ailes, c'est du poli et par-dessus, j'ai mis l'aquarelle Paul Rubens nacré. Là, c'est pareil, ça va être... Qu'est-ce que c'est que ça? Winsor & Newton, la silver. La peau, c'est les Black Widow Skin Tones. Et voilà, sinon c'est du poli. Voilà, c'était mon premier test avec les polis. Je les ai pas encore tous, hein. Mais... Donc voilà pour celle-ci, que j'ai failli oublier de vous montrer. Donc oui, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, hein. Il y a des fois, vous allez voir quelques follows... Hop. Ensuite, je passe de la place dans le Cute and Creepy. J'ai fait une double page pour le challenge d'Elise. J'ai fait les zombies. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être vu aussi. Je sais plus trop si je l'ai posté. Je crois que oui, je l'ai posté. Donc le fond, ça va être avec les encres, les dernières qui sont sorties là d'action. Je les trouve pas pigmentées. Voilà. À moins que j'ai eu des pads défectueux, je sais pas. Mais il faut vraiment faire du couche par couche par couche par couche. Hein. Voilà. Donc le fond avec les encres. Sinon, ça va être du poli. Pour les cheveux, je crois que c'est même pour la tenue, je crois que j'ai pris les colis et je crois que je n'ai pas noté ce que j'ai fait. Ah. Alors les cheveux au poli, la peau poli et prisma, voilà. Pour le sang, ça va être les zinc, celle-ci d'action, mais bon, ça traverse. Là, ça a traversé un petit peu. Là, c'est pas non plus, ils vont là un peu plus. Hein. C'est pas grave, mais bon, je suis vraiment pas satisfaite de ce papier là, hein. Franchement. Il paraît épais, mais dès que vous faites un peu d'aquarelle dedans, ça avait bien traversé là aussi. Voilà, vous voyez là. Donc non. Mais voilà pour mes petits zombies. Et pour les mouches là, j'ai mis du médium iridescent. Voilà. Hop.
Ensuite, peut-être que j'avance moi. Hein? Je vais pas bien vite vu que je suis un petit peu stone. Pourtant, j'ai pas pris de cachette, mais il va falloir parce que je veux ma vie. Dans celui-ci, donc le petit carré bébé animaux, j'ai fait Sébastien et Polochon pour rapporter des points beau d'équipe. Team Ursula, on est en retard. On doit être les moins nombreux, je pense. Donc vous allez voir beaucoup de colos, la petite sirène. Hein. Donc voilà. Je les ai fait avec les Prisma. Oui, Prisma. Le fond, c'est avec les Cray Wash Reden. Avec les tampons d'oie. J'ai essayé plein de trucs pour le blanc. Il n'y a rien qui marchait. J'avais déjà essayé avec le Faber-Castell Pitt. Ensuite, j'ai pris le Uniball Signaux. Non, j'avais essayé aussi avec le Posca, mais ça n'allait pas. Enfin, donc, il y a plusieurs couches de plusieurs trucs. Et au cœur de mes bulles, j'ai mis la palette d'aquarelle Paul Rubens Nacré. Sinon, voilà, c'est du Prisma. Avec un petit peu de combo de Oana. Je crois que c'était mon premier dans celui-là. C'était le premier, c'est le premier que j'ai fait. Ouais. Donc voilà pour ça. Hop. Ensuite, dans le petit carré portrait, j'ai fait. Dernièrement, j'ai fait Eric. Celui-là, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. J'ai mis plusieurs jours à le faire. J'arrivais pas, je sais pas. Donc alors lui, le fond c'est des dot twin marqueurs dot d'action. Prisma, poly pour les coquillages. C'est un combo d'Alicia que j'ai eu sur le Discord de Julie Nueva. J'ai rajouté du Mod Podge. Pailleté dessus, un petit peu de chalk marqueur blanc. Sinon, le personnage est fait avec du Prisma. Ouais, c'est ça. Donc un plus de fait. Est-ce que j'en ai fait un autre dans celui-là? Non, il faudrait que je fasse celui-ci. Ouais. Ouais, il faudrait que je fasse celui-là. Ensuite, dans le petit carré art déco, j'ai fait Ursula. Ceci aussi, si vous me suivez sur Instagram, vous les avez vus. Donc, là, pour tout ce qui est art déco à l'arrière, c'est du hybride d'AliExpress. Le fond est fait avec les Brut Feu Noir aquarellables. J'ai encore sorti l'aquarelle Paul Rubens pour les bulles. Les personnages sont faits avec les Prisma. Là sur ses yeux, c'est aussi du stylo gel hybride. Ses boucles d'oreilles aussi. Ses ongles. Enfin, les boucles d'oreilles et les ongles, c'est avec stylo gel action. Mais voilà pour ce colo. J'aime bien. Ensuite, il y en a un autre dans celui-là. J'avais fait celui-ci, donc Ariel. Donc on a de la PBO or antique, le fond avec je ne sais plus.
Le fond, j'ai pas noté. Comme ça, j'ai pris combo de Mademoiselle Disneyland. J'ai encore sorti ma palette Paul Rubens nacrée. Sinon, il y a de Brut Fenner aquarellable. Ouais, c'est ça que j'ai mis en fond. J'avais commencé. Et après, je crois que j'ai mis du Prisma. Je sais plus ce que j'ai fait. Non, je l'ai aquarellé. Non, c'est du Brut Fenner aquarellable. Voilà. Pour ma petite Ariel. Bon, celui-là, c'est bon. Ensuite, dans le grand carré Love Stories, j'ai fait Simba et Nala. Donc le fond avec les pastels secs, mon bio. Les feuilles au prisma, les fleurs au prisma. Ouais, tout est fait au prisma. Je me suis un petit peu inspirée de Colorel, de celui qu'elle avait fait, et Idoana Colo, elle l'avait fait aussi, je crois, je sais plus, ou pour lui un petit peu, mais j'ai pas pris les combos parce que je trouvais trop foncé. Mais voilà. Ouais. Je l'aime bien. Voilà pour celui-ci. Hier, j'ai terminé celui-ci. D'ailleurs, je vais prendre un dessin. Donc, j'ai fini Belle et Maurice pour un colo commun Facebook. Donc là, j'ai utilisé de l'aquarelle. Du coup, je vous spoil un peu le prochain haul colo. Bon, je vais pas vous dire la marque ou quoi que ce soit, mais j'ai fait une base d'aquarelle pour mes arbres. La première fois que je teste, hein, donc voilà. Hein. Je le trouve pas, voilà, je trouve pas mes arbres ouf. J'ai ombré avec les prismas, mais voilà, ça n'accroche pas forcément le papier après l'aquarelle. Donc je sais pas. Sinon. C'est du Prismacolor. J'ai utilisé les combos de Anna pour Belle. Maurice, j'ai pas trouvé, donc je l'ai fait un peu ma sauce. J'ai du mal à faire les grandes zones. Je vais trop vite, du coup bah, je fais des traces. Après, on peut dire que ça fait un effet textile. Hein? Voilà. Donc oui, Posca pour les fleurs et stylo gel pour le. Ouais, un petit peu de stylo gel sur les fleurs. Et vous allez pas voir de toute façon. C'est tellement petit que. Mais bon, voilà, pour celui-ci. C'est pas une réussite. Mmh. Je vais pas réussir à le mettre dedans. Voilà. La première fois que je faisais Belle. Hop. Voilà pour celui-ci. Maintenant, je vais vous montrer mes encours. Oh, j'ai du mal à... Hein? Donc, celui-ci, je vous l'avais vu dans la vidéo de la semaine dernière. Bon, il n'a pas avancé, je ne l'ai pas ressorti. Donc, voilà. Et je crois que j'ai rangé mes crayons en plus. Ça va être sympathique. Je pense que j'ai noté le combo. Mais voilà. C'est vrai que j'y retourne, mais bon, là, je me concentre sur le challenge d'Elis. Vu qu'on a du retard. Bilan, bah, je fais une double page dans le grand carré, c'est la fête. Je fais, voilà, je vais essayer de faire celle-ci. J'ai fait le fond hier avec les crayons Wash Reden. Au tampon doigt et aquarellé sur voilà, autour des personnages. Et voilà. Et là c'est du la PBO or antique. Je l'aime bien celle-ci. Mais je galère un peu parce que j'arrive pas à trouver cette scène.
en images pour m'inspirer, pour les couleurs, voilà, parce que je sais pas trop quelles couleurs ils sont, eux, là. Les sœurs, ça va, j'ai trouvé une photo avec, avec les couleurs. Par contre, je sais pas trop si ça, c'est ajouré ou pas. J'aimerais bien trouver, voilà, une scène similaire du film pour pouvoir, voilà, m'aider. Parce que là, je... Pareil pour la couleur du sol, tout ça, j'aimerais bien pas faire un peu n'importe quoi. Donc voilà ce que je suis en train de faire en ce moment. Et j'ai toujours mon mystère des mondes de Ralph qui n'a pas bougé. Voilà. Vu qu'il faut que je sorte la peinture acrylique. Enfin bref, voici pour mes colos terminés du mois de septembre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, évitez les microbes, faites pas comme moi. Et ciao. Let me back to you.